Hey je délistes. j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien. Petite intro de vidéo un peu différente juste parce que euh, cette vidéo est un peu différente, tout simplement. Habituellement j'achète des collections à euh, souvent des abonnés ou du moins des particuliers qui me contactent pour vendre leur collection et derrière je vous en fais des vidéos. Aujourd'hui c'était un peu particulier puisque c'était un abonné qui habitait qui avait la possibilité de venir pas trop loin de chez moi. Du coup on s'est rencontrés, on a été manger un petit McDo ensemble, on a passé un bon moment, c'était vraiment un super gars Je voulais vraiment pas l'embêter avec une vidéo, mais par contre je viens de rentrer à la maison et je cherche le coffre. Tadam! Donc, on a juste une giga collection. Il y a des trucs absolument partout. La plupart des tines, je vais pas réussir l'ouvrir. Mais elles sont blindées, vous l'entendez, écoutez. Elles ont toutes des trucs à l'intérieur. Il y en a vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classeurs. Je vous en prends un parce que je sais qu'à l'intérieur, il y a des trucs cool. Regardez ça. Du 2 Des trucs. À... Juste incroyable, c'est une très 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 belle collection. Comme vous avez vu, elle est assez volumineuse. Je vais essayer de trier tout ça. On est samedi, je vais chiller un petit peu à la maison. Et je vous sors toutes les pépites et je vous ferai un récap dans le décor habituel avec toutes les magnifiques cartes que j'ai pu trouver. Dans cette collection. On se dit à tout de suite, c'est parti. Three hours later. Et bien voilà, on se retrouve après euh, plusieurs heures de tri de mon côté. Vous, évidemment, c'est à la suite de l'introduction que j'ai tourné tout à l'heure. J'ai eu le temps de tout trier, j'ai eu le temps de voir énormément de belles cartes que je vais vous représenter juste après. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo où je trie d'abord et que je vous montre que euh, les pépites entre guillemets de la collection, ça risque de faire des vidéos beaucoup plus courtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un peu un test parce que là, la commission était vraiment très volumineuse. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez votre pouce si vous kiffez. Abonnez-vous. Si vous kiffez, dites-moi ce que vous en pensez. Et tiens, j'aimerais beaucoup essayer de lancer un petit euh, format de sondage ou je ne sais quoi. Les sondages n'existent plus sur YouTube. Dites-moi dans cette collection à votre avis, en fonction de ce que je vais vous montrer, combien je l'ai payé et je vous donnerai évidemment la bonne réponse en fin de vidéo. Mais je serais curieux de voir un petit peu vos estimations de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Avant que, commence la... Avant que je passe sur la deuxième caméra, je vous montre quand même un truc qui me fait extrêmement plaisir. Voilà, ce genre de petit tapis euh, très old school, pas de zone pendule, pas de zone link, etc. C'est cool, je vais les garder pour mes formats fun. On passe sur la deuxième caméra. Et comme vous pouvez le voir, il y a également un deuxième tapis. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier. C'est un tapis chevalier noble. Il est vraiment très joli. Euh, S'il y a le tapis chevalier noble, eh bien, c'est tout simplement... Est-ce que je galère à remettre mon pied Oui. C'est tout simplement parce qu'il y a un deck chevalier noble à l'intérieur. Et c'est ce que je vais commencer par vous présenter. Il est entièrement en plein rare. Et il est vraiment magnifique. Ah, les cartes sont vraiment très jolies. Alors, je les passe rapidement. Je suppose que... Vous connaissez les effets pour certains, mais Petit Veilleur en, en Platinum Rare, il est juste incroyable. Il y a plein de très belles cartes, il y a des magies d'équipement qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, qui sont liées au Chevalier Noble tout simplement. Et ça fait, euh, ça fait un très beau deck. Le petit sacrifice inutile en, en Platinum Rare, vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas magnifique. Et voilà, c'était la première chose. Avertissement divin également et puis le petit Merlin. Merlin qui est vraiment vraiment très très beau. Voilà, je me demande si d'ailleurs c'est pas la seule édition de Merlin. J'ai un doute, mais je me demande si c'est pas la seule édition de Merlin. Je vais vous montrer ensuite les quelques packs promo qu'il y avait avec. Donc il y avait un petit Dupo, il y avait deux euh, LCKC et il y avait un Lost Art bras euh, droit de l'interdit. Donc là, c'est quand même plutôt cool. Avec ça alors, même si ça n'a pas de véritable valeur, il y avait trois decks euh, qui sont encore scellés. Donc un deck des... Enfin, deux decks des collections légendaires héros, euh, héros je ne sais plus, héros changeant, héros vivant, je ne sais plus c'est un nom comme ça, et un petit SR01 donc c'est avec les, les différents monarques qui est encore scellé comme ça, peut-être que ça a un peu de valeur, j'en sais rien, en tout cas c'était comme ça à l'intérieur, et il y a un produit totalement scellé, c'est un petit deck salam qui est, qui est full scellé, donc j'en ai déjà un dans ma collection donc il ira très certainement sur mon card market, ou je ne sais pas ce que j'en ferai, tout simplement, et alors je vais essayer de vous la montrer complète, parce qu'elle est, elle est, est quand même assez grosse il y a une énorme pile de cartes, euh, je ne sais pas comment je les considère, cartes de valeur, cartes intéressantes. J'ai mélangé un petit peu euh, ce que je savais qu'il y avait de la valeur, ce que je savais qu'il me manquait, ce, que, ce qui m'intéressait, etc. Et voilà, je partage tout ça un peu avec vous. Donc il y avait un Uria et un Raviel, donc c'était LC02, ils sont en anglais, un petit magicien sombre avec cet artwork-là euh, qui, qui est vraiment magnifique. C'est la, la carte de... Comment s'appelle ce magicien euh, qui combat Yugi euh... Je vous mettrai le nom qui s'affiche puisque je ne m'en rappelle pas. Le petit, euh, le petit trio de dieux égyptiens. Un petit exodia en ultra. Un petit Claire wing donc ça c'est toujours cool. Euh, un Cyber Dragon infini, un œil de Timé qui est une commune très intéressante, une apprentie magicienne de l'illusion, un méga flotte, un dragon magicien sombre, euh, le dragon chevalier, une attaque de brûlante et une magie brûlante. Encore un exodia cette fois en commune, les trois dieux en effet. Le petit incarné, le petit métal dragon, une pierre noire, alors ça c'est cool. Alors comme vous vous en doutez, là c'était la suite des collections légendaires. Mais la pierre noire c'est cool parce qu'en ultra, comme ça je vais pouvoir la mettre dans mon deck. Je la jouais en allemand avant, donc ce ne sera pas un mal. Euh, deux petits ondes de brouillage, euh, en trois petites en secret, une en gauge, euh, une petite rose, un réincarneiller. Farstar, un scène direct Farstar, et deux Sige, Sigu, je ne sais jamais comment ça se dit. Un petit Recover, alors pour moi Recover n'est pas encore euh, très présent dans la méta, mais je, je suppose qu'il va arriver à un moment ou à un autre parce qu'il est extrêmement fort. Un petit Vertissement divin, Transporteur synchronique est une très bonne carte. Alors Avion en réaction, je ne sais pas s'il a de la valeur, mais SDSE, c'est vieux et en super, comme ça, je me suis dit que ça pouvait sûrement avoir une petite valeur. Une petite Imperme, Entre des ténèbres, un, euh, une Lilith une petite Minerva, un petit Maxé, alors c'est une commune, mais ça fait toujours plaisir, Catapulte 3 anciens en super, c'est une très bonne carte, la Vouivre, pareil, pareil pour le Dragon Reactor, alors évidemment, ça c'est des... euh, peut-être même celle-là, c'est des cartes qu'on a eues en réédition il y a très peu de temps, dans les duelistes légendaires saison 1, mais euh, en rareté, il y a toujours des joueurs qui veulent jouer avec rareté donc ça fait plaisir, petit Unicorn en secret qui est sorti de... De la banlist, très récemment, donc c'est cool. Alors, celle-là, je l'ai mise de côté juste parce que c'est une MDM et il me semble pas l'avoir. Donc, je préfère l'avoir en mauvais état plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Je la remplacerai dans le temps. Petite assaut solennel Alors, c'est parce qu'il y avait une boîte Jude, mais j'ai sorti les trois cartes un peu représentatives de Jude euh, en termes de valeur. Donc, la hache, assaut solennelle et un tissibou. Euh, une petite âme magicienne de l'illusion. Un veilleur en, en qui fait plaisir. trois euh, du berlu. Deux du berlu, pardon. Il y en a un troisième dans le paquet, c'est pour ça. Là, on a à nouveau 3 H. Alors, ça, je ne sais pas si ça a de la valeur, mais c'est une belle carte, donc je l'ai mis de côté. Petit bit en secret qui fait plaisir. Euh, Lien Coribo, un Borel Sword, deux objets de sacrifice inutiles. Euh, trois chars, en secret. Donc ça c'est cool. Alors on voit peut-être pas très bien les raretés à cause de la, à cause des sleeves qui sont mates. Euh, tro... Deux multi en secret, un tanki en super et un tanki en secret. Un coq qui a une petite valeur quand même. Un panda qui lui a une très bonne valeur. Entre des ténèbres, lit C'était, euh... bah, en fait, c'est des decks de structure qu'il a gardé. Euh sans Trop y toucher, et du coup, bah forcément, à chaque, fois, à chaque fois, ça revient. Un petit acheteur qui fait plaisir, alors ça, ça fait extrêmement plaisir. Hein. SDRE, c'est très très vieux, c'est fort dans Mermel. Euh, j'ai pas grand pas besoin de, de, de justifier un petit peu, et c'est gras. Hop, on continue. Oula! Alors, sachant que vu que j'ai tout trié à la suite et que je n'ai pas re-regardé, il y a des cartes que je redécouvre avec vous. Prohibition que j'ai mis de côté, un petit scrap recycle. Alors ça c'était plus pour moi. Je sais pas si c'est une valeur. Ça c'est parce que c'est du MDM et que j'étais pas sûr de l'avoir. Electro château parce que c'est une carte magique qu'on trouve que assez rarement. Et puis ben, pour le deck Electro c'est très fort. Un petit solem en commune j'ai pris. Alors Mnerd j'étais pas sûr de l'avoir. Elle est vraiment défoncée mais je me suis dit dans le doute je préfère l'avoir défoncée et au moins avoir un emplacement de complet dans mon classeur plutôt que de ne pas l'avoir. Évidemment je la remplacerai par la suite. Un petit Linkuribo, Monte Perdue, d'ailleurs prévu qui est une super commune. Un petit dinodon, petit petit radnodon. Je sais jamais comment ça se dit cette carte. Un oviraptor, un tyranno ultime conducteur. Vous pouvez le voir, c'est des premières éditions, ça fait plaisir. Ça c'est le même combo que tout à l'heure. Un petit max c également. Ça c'est du MDM, donc ça fait plaisir. Pêcheur légendaire en RP02, bah, c'est pour mon set RP02. Petit Karateka en MDM, je suis pas sûr de l'avoir. Un recycleur de ferraille, un grand vaisseau. Euh, Malédiction du dragon en LDBF, ça fait plaisir. Alors celle-là je l'ai prise juste parce qu'elle est censurée. Elle est pas censurée, justement, comme vous pouvez le voir. On dirait euh, des barésies, et là, on apprécie, on, a, on aperçoit clairement sa poitrine, et c'est la version non censurée qui est sortie dans Metal Raider de mémoire. RDS, euh, j'ai un doute sur RDS, mais bon, peu, peu importe. Ça, c'est parce que c'est du LDDF première édition. Elle est pas en parfait état, mais c'est toujours cool. Ça, c'est parce que ça va dans mon deck et qu'il m'en manquait une. Un petit Rorex, on la croise très rarement. Saggy, parce que c'est du MRD première édition et il me, bon, il me semble que je ne l'avais pas. Ilu il Berlu, parce que je vous avais dit qu'il m'en manquait un, donc qu'il euh, en manquait un dans le playset tout à l'heure. Donc, il est là. Petit Croc de Critias en euh, DRL2, donc ça fait plaisir. Ça, c'est du MDM que j'étais très content de trouver parce que je ne l'avais pas. virus pour compléter mon, pré mon playset. Prohibition cinératique en MP14. De mémoire, ça a une bonne petite valeur. Donc je l'ai mis de côté. Sait-on jamais? Retour euh, des monarques. Alors, je l'ai mis pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une carte qui est assez recherchée. Et ensuite, pour moi, elle est légèrement mis Sprinter. Donc, je l'ai mis de côté. Un petit Evenly. Voilà, j'ai trouvé un Evenly. J'étais content dans la collection. Trois euh, loups. Trois loups, c'est toujours une bonne chose. Un seau Voilà, j'étais content de tomber sur un petit seau d'horicalque. Donc, euh, donc, ça, ça va rester dans ma collection. Alors, cette, cette carte-là, risque. Enfin, pour moi, à tout moment, un jour, elle revient dans la méta. Flèche anti-magie, c'est une carte qui, euh, pendant la battle phase, juste avant, euh, quand tu commences la battle phase, tout simplement, tu l'actives. Et le reste de ce tour, euh, personne ne peut activer de carte magie piège. En réponse à cette activation et ni le reste de la battle. Donc c'est vraiment très très fort, très content de faire tomber ça. Carte d'Exe, village secret des magiciens. Alors village ojama, très bonne carte. Plein de personnes ne savent pas que cette carte coûte une blinde, mais en bon état, en première édition euh, comme ces deux-là, euh, c'est facilement 10€. Donc euh, donc c'est cool. Et puis celui-là, il est un peu abîmé, mais bon, ça se vend toujours 4-5 euros même abîmé. Donc c'est cool. Un petit plus que tout gouverneur. Encore des, sa des sacrifices inutiles. Onde de chaleur, c'est pareil, ça fait partie des cartes qu'on qu sous-estime un petit peu, mais qui sont pourtant, qui ont pourtant une bonne petite valeur. Machine de dupli, je ne sais même pas pourquoi je les ai mis, mais c'est cool. Ah bah, c'est parce qu'il y avait sur soldats galactiques. Ça devait être le paquet euh, sur soldats galactiques euh, qui est très fort dans plein de decks. Un petit ah, dans secret, ça fait plaisir. Euh, bah, juste, juste parce qu'il est recherché pour, pour plein de decks. Alors, lui, ça c'est une très belle carte, en MVP euh, Secret première édition, c'est une carte qui a une très bonne valeur et qui est en plus de ça assez recherchée. Un petit duza, juste parce que c'est du duza. Alors, casserole de réglage, je l'ai mis de côté parce que DP08 Ultra, je me dis à tout moment, en plus celle-là légèrement misprint, je me dis à tout moment, enfin, je sais pas laquelle est misprint en fait, les deux en fait. OK. <laughs> je me dis à tout moment on en a besoin pour un deck une loupe débile, il y aura forcément des gens qui vont chercher l'ultra donc c'est donc cool, visage nécro, euh, robot synchronique en Ça c'est pour euh, parce que je l'avais pas en français. Donc euh, bah, cool, je récupère en français un petit Bigfoot, euh, De Nessie. Donessi, De Donessi. Donc ça c'est du MP19, c'est toujours euh, bon à prendre, petit Buster euh, target, la euh, plus d'extra deck, Uria, Amon et Raviel. Rien avait la mode dans l'ordre, hein, mais bon, ça fait toujours, toujours plaisir. Une petite sphère, une citadelle magique d'endymion en secret. Euh, on a fait à peu près la moitié du paquet, mais je ne vous ai pas montré les ultimates. Et vous allez voir les ultimates, c'est des très belles pièces. Un faucon, un ténèbre dragon, ça c'est cool. Une succession, encore un plus que tout gouverneur. Alors ça, ça fait plaisir. Pourquoi Parce que c'est le set complet. En lost Art. Voilà, c'est le set complet en low start. Donc ça, c'est cool. Ça va aller dans mes classeurs directement. Je ne l'avais pas. Je n'avais que deux pièces, je crois. Donc euh, donc, euh, donc en la start c'est très cool, petit livre de magie du maître parce que c'est une carte recherchée. Alors une taupe géante euh, c'est une CT14 en secret, je me suis dit pourquoi pas, je la mets dans ce paquet là, le roi chacal, petit obélisque. Alors lui en CT13 secret, c'est une très belle carte. Donc euh, donc évidemment, elle est dans ce paquet. Un petit Uria en LC02, un petit Amon en SOI et un petit Ravel en CT03 secretra. Donc ça c'est cool. Un dragon blanc, un jeu bleu en LCKC, un SDK et un DDK. Donc juste SDK et DDK. C'est simplement qu'elles sont en française et en anglaise. Mais bon, c'est un très bel artwork. Un euh, dragon et les deux rats. Alors Core, Core, c'est pas souvent qu'on le croise, mais COR il vaut 10 balles. Donc, euh, donc ça, c'est une, une très très bonne surprise. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais c'est une belle secret. Donc je l'ai mis de côté. Magicien, Illusion, Eben. Évidemment, je l'ai mis de côté pour mon deck magicien que je n'avais pas. Euh, ça c'est quoi, c'est du, c'est éclaté malheureusement, euh, mais c'est une, une belle carte de Jinzo, donc je l'ai gardée petite magicienne, alors c'est dommage, puisque c'est une RDS, mais elle est très abîmée, mais c'est une très belle carte quand même, un petit CT06 en anglais, euh, Light and Darkness Dragon en euh, LDPP, c'est ça, LDPPEN, c'est quand même une très belle carte, une main comique en française, ça, ça fait plaisir alors, celui-là, c'est euh, un LCKC. Donc, rien d'extraordinaire, mais c'est toujours très cool. Un LCKC à nouveau. Une petite poly en LCKC, Secret rare, ça fait plaisir. Des RL2, c'est toujours cool. Euh, Chevalier du Destin Timé, c'est toujours cool également. Le Croc de Chrétias. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Alors, je fais que de dire ça fait plaisir, mais tant pis, hein, parce que ça me fait plaisir en soi. Donc, je le dis tout simplement. Evolsvor, Lagia, Lagia, Dolka. Ça, c'est cool, parce que ça, ça négate à gogo, tout simplement. Et euh, voilà, c'est des cartes qui sont utiles euh, en ce moment avec la réédition de Dino et puis la présence de Dino dans la méta. Du Constellé, euh, du double Dragon Utopique, deux fois. Euh, numéro 94, qu'il me manquait pour mon deck. Euh, Blue Eyes, donc je suis content de le récupérer. Un petit Crystal Wing. Un petit dragon des étoiles majestueuses. Un ancien Fairy dragon en CT06, cette fois en français. Il y en a deux mêmes. Un dragon Nova Rouge en CT07 en Secret Rare. Un Nova Rouge en STBL en Ultra Rare. Un Bouillon dragon rouge Arché Démon. Je sais pas si ça a de la valeur, mais je l'ai trouvé vraiment très joli comme ça, donc je l'ai mis de côté un guisarius et un dragon profamateur. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais c'est une belle carte. Dernier paquet, et après on passe aux ultimates. Vous allez voir, les ultimates sont incroyables. Dragon explosion du tyran. à nouveau timé. Celle-là est très cool puisque c'est du speed duel, et du coup, en ultra rare, elle a une forte valeur. Néo dragon ultime qu'on a eu en deux exemplaires, une force miroir en duza, un avertissement divin. Alors lui, je l'ai mis de côté par pur kiff, c'est des yatagaratsu, pire carte du jeu Yu-Gi-Oh! Donc content de la récupérer, une petite oracle harpy, un kaiju. Ah oui, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à l'intérieur. Alors elle est abîmée, un peu abîmée, elle n'est pas non plus explosée. Mais surtout, c'est une carte qui a une très très forte valeur en très bon état. C'est une carte qui peut dépasser les 100 euros très facilement. Et dans cet état-là, je pense qu'elle vaut facilement un petit 20 euros. Honnêtement, un petit 20 euros, ça me paraît honnête. C'est une carte de collection que je vais garder précieusement. Alors ça, c'est cool, parce que ça se met partout, parce que ça vaut une blinde. Euh, et qu'il est en deux exemplaires, donc je ne vais pas me plaindre. Un Fenty Road de lourd de l'Atlantide, un grand shogun Shen, Très cool. Deux trous de en secret. Il ah bah, y en avait un autre en SDS en super. Ça, c'est pour mon MDM ça c'est cool euh, souris peluchimale alors c'est une carte qui vaut euh, 4-5 euros voilà donc, euh, donc euh, bah, ça fait plaisir il y avait un recycleur de ferraille j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps et il y en avait dans cette collection bah, j'en ai en doublon du coup mais c'est pas grave recover en deux exemplaires le 177 qui est une carte qui a une forte valeur mine de rien encore du kaiju un chat sauveteur un petit blue eyes en ultimate euh, du deck de démarrage ou structure je ne sais plus un néo dragon en secretra il est vraiment incroyable elle est vraiment très belle cette carte un jumelé en lckc un Blue Eyes en SDK, une Terraformation en Secret, Grand Retour de Dragon, très bonne carte en Secret rare. Sanctuaire en Secret rare, ça fait plaisir. LCKC, ça fait plaisir. Wow, le DAD, le DAD, il est incroyable quand même. Le DAD en Secret comme ça, il est vraiment très très bon, Chevalier maître des dragons s'est LCKC à nouveau. Encore un jumelé, encore un jumelé. Une carte d'Exé en LCKC, j'avais oublié qu'elle avait été dites en LCKC. Deux esprits, euh, une prêtresse, un sage, sage qui vaut une dizaine d'euros. Donc c'est toujours une très très bonne carte. Et il m'en manquait un pour finir mon Blue Eyes, Pierre euh, Blanche Légendaire, et puis deux pierres blanches anciennes en secret. Ça, ça, ça c'est des, des bonnes cartes, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool de montrer que cette partie-là, moi en tout cas, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de vous montrer que des magnifiques cartes. Et euh, bah, plus, plus ça brille, plus c'est fort. Tout le monde connaît ce dicton-là. Donc, euh, donc voilà. Et puis on termine avec un petit Exodia. Alors, on n'a pas tout à fait terminé puisqu'il nous reste. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ultimate à vous montrer. Et notamment certaines qui sont incroyables. Hérald, héros de la perfection. Donc euh, en première édition, pas en parfait état, mais ça fait plaisir. Celui-là, il est très très beau. Pas en première édition, mais il est magnifique et surtout en très bon état. Le numéro 46. Pas en première édition également, mais je ne l'avais pas, ça c'est sûr et certain. Cette fois, on a Héros de la Lumière Mauve. C'est une très vieille carte. Ancienne Vouivre Sacré première édition. Magnifique. Violet Witch. C'est une anglaise. Mais bon, elle est, elle est quand même très très belle. On a le numéro 20. Alors, le numéro 20, en plus de ça, il est un petit peu abîmé. Et surtout, c'est une carte qu'on avait dans les team Donc c'était une ultimate qu'on était sûr d'avoir. Donc OZF en soi. Mais bon, ça reste une bonne carte. Le 102, c'est pareil, prio. C'est une carte qu'on voit assez régulièrement, mais euh, c'est une très belle ultimate. Magicien explosif en SOVR. Le petit dragon étoile filante. La dernière carte, elle est vraiment très belle. Je savais même pas qu'elle était. Hop, j'essaie de vous le cacher, qu'elle était éditée en ultimate. Et je suis très content de la récupérer. C'est un petit maître Nova héros élémentaire. Alors, il a mangé un petit peu dans les coins. Mais globalement, il est en bon état. Et, euh, et ces deux-là, là, là c'est vraiment deux petites merveilles. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà! Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Moi, je suis content parce qu'en fait, ce format-là me permet de vous montrer que les cartes incroyables, entre guillemets, et vous faire kiffer un petit peu sur euh, bah, ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, et ça nous évite de nous taper les cartes en mauvais état, les anglaises, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera peut-être le nouveau format des achats de collection qui risque de perdurer sur ma chaîne, puisque ça vous plaît, ça me plaît. On verra ce que ça donne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce. Je vous l'avais promis en fin de vidéo, je vous indique le prix d'achat de cette collection. C'est une collection que j'ai achetée pour la modique somme de. 500 euros. Quand on voit ce qu'il y avait à l'intérieur, franchement, c'est pas trop mal. En tout cas, prenez soin de vous, faites le nombre de duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!